arbitraire. Quand bien même tu y écrirais poème grand, le fait d'être reconnu ne dépend pas de ça. La romance du vin ou le vaisseau d'or de Néligan sont devenus importants, on ne sait trop pourquoi. Probable que son internement leur a consacré légende, mais de son vivant peu ou pas se soucier en fait de lui. Qu'est-ce qui fait qu'un poème connaît gloire grande ne tient pas trop à sa qualité, votre talent, ni à sa poésie. En cette vie, tout est question de notoriété. Un grand peintre peignerait un mur blanc, ce serait alors coup de génie, d'originalité, mais un quidam passerait pour fou, tout simplement. En cette ère de poèmes de toile à numéro, où facilement confond talent et insipidité, mais alors, comment juger, ressortir du lot, quand en bout de ligne, tout est truqué? Continue dans le noir, écrire même dans l'arbitraire. Ne te formalise pas des échecs et du rejet. Puis en toi, ta source, mot libère. Fous-toi d'eux, ceux qui décident ce qui est vrai.